Bonjour, la paix soit avec vous, nous dit aujourd'hui le Seigneur. J'espère que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est incroyable, vous connaissez cette nouvelle extraordinaire, magnifique, incroyable. Le tombeau, on a déposé Jésus mort, il est vide parce que Jésus est ressuscité, amen, alléluia, il est vraiment ressuscité, il est vivant à jamais. Je vous lirai un petit texte du petit journal de Sainte Faustine où justement elle nous parle de la résurrection du Seigneur. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignaient pour prier cette neuvaine, le troisième jour de la neuvaine à la Miséricorde divine avec l'Association pour la Miséricorde divine, avec Sainte Faustine, donc les reliques ex ossibus et du Père Sopočko, du bienheureux Michel Sopočko, les reliques ex ossibus et une goutte de sang de Saint Jean-Paul II et Gérard est là pour prier aussi avec nous. Merci de nous avoir rejoints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous voici à tes pieds en ce jour de ta résurrection. Quelle merveille! Quelle incroyable nouvelle que tous les disciples, les femmes, les apôtres nous ont transmis. Tu es vivant à jamais, pour toujours. Gloire à toi, Jésus. Sainte Faustine écrit dans le petit journal La résurrection. Aujourd'hui, pendant la résurrection, j'ai vu le Seigneur Jésus dans une grande clarté qui s'approcha de moi et dit: Que la paix soit avec vous, mes enfants. Il leva la main et nous bénit. Les plaies de sa main, de ses pieds et de son côté n'étaient pas effacées, mais lumineuses. Quand il me regarda avec une telle bienveillance, un tel amour, que mon âme entière sombra en lui. Il me dit: Tu as pris une grande part à ma passion. C'est pour cela que je te donne cette grande part à ma gloire et à ma joie. Tout le temps de la résurrection me sembla durer une minute. Un étrange recueillement envahit mon âme et y demeura pendant la durée des fêtes. La bienveillance de Jésus est si grande que je ne puis l'exprimer. Troisième jour de la neuvaine à la Miséricorde divine. Aujourd'hui, amène-moi toutes les âmes pieuses et fidèles et immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. Ces âmes m'ont consolé pendant mon chemin de croix. Elles ont été une goutte de réconfort au milieu de cet océan d'amertume. Très miséricordieux Jésus, toi qui accordes à tous avec surabondance les grâces de ta miséricorde, reçois-nous dans la demeure de ton cœur très compatissant. Et garde-nous en lui pour l'éternité, nous t'en supplions, par l'inconcevable amour dont ton cœur brûle pour le Père céleste. Père éternel, regarde avec miséricorde les âmes fidèles, héritage de ton Fils, et par sa douloureuse passion, accorde-leur ta bénédiction. Entoure-les de ta constante protection pour qu'elles ne perdent ni l'amour, ni le trésor de la sainte foi, mais qu'avec le cœur des anges et des saints,
elle glorifie ton infinie miséricorde pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion,
sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en préparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés
et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au son et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Marie, Mère de miséricorde, priez pour nous. Sainte Faustine, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Bienheureux Michel Sopotuka, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est fini. Je vous souhaite d'abord, avec Gérard, une belle octave de Pâques. Qu'on reste vraiment dans cette paix et dans cette joie de la résurrection. Et cette octave de Pâques va nous mener, bien sûr, à la fête de la miséricorde divine, que nous aurons joie de vous offrir. Le Seigneur nous fait ce cadeau par une diffusion en direct de l'église Saint-Sulpice. Soyez tous sur cette chaîne Association pour la Miséricorde Divine. Il y aura une retransmission en direct, messe présidée par Mgr Marcet, suivie de l'adoration du Très Saint Sacrement, c'est très important. Et puis nous aurons aussi un temps d'enseignement. Et en attendant, il nous reste encore beaucoup de temps, vous pouvez vous connecter à Vilnius, bien sûr, au sanctuaire de la Miséricorde Divine pour adorer Jésus. Tout à l'heure, j'y étais. Il y avait des chants de louanges. Donc maintenant, je pense que ça sera un vrai temps d'adoration. Et puis, je pense que la messe est à 20h à Vilnius. Donc, je vous laisse dans la joie de Pâques, dans la joie de résurrection de notre Jésus, de notre Sauveur qui nous aime. Gloire à toi, Seigneur. Au revoir.